Alors, une autre question sexuelle ? Non. Non. Mademoiselle Keblani de Paris, pourquoi les danses folkloriques marocaines se dansent-elles à genoux ? Certaines danses marocaines, ouais, mais pas toutes les danses marocaines. De nombreuses danses, les danses les plus anciennes s'interprètent à genoux. Pour permettre de fumer le kif en même temps ? Alors vous connaissez très bien... C'est pour rappeler la prière qui se fait à genoux, non ? Les danses d'inspiration religieuse. Je sais pas, moi je connais bien le Maroc, j'ai jamais vu de danse moi à aussi, genoux. Moi aussi j'ai failli être plus. Oui, ça j'étais là en plus. Ils sont debout et au contraire... Ah, vous êtes un ancien skirate aussi ? Non, mais je l'ai vu et je sais, alors je tiens à dire, à déposer au protecteur Amoroso... que Jacques Chazot a complètement étonné les gens, car tout le monde, évidemment, dès les premières rafales de mitrailleuses et de mitraillettes, s'est foutu à quatre pattes, sauf Chazot qui continuait... Mais c'est pas pareil ! Qui refusait de se baisser, j'insiste en bien, disant, et comme l'ambassadeur de France disait à Jacques Chazot, couchez-vous, Chazot l'a regardé, a mal connu, mais il a dit, pas sur vous. Mais absolument, parce que... Si. On lui a dit de se tourner vers la Mecque, il lui s'est tourné vers les mecs, c'est pas pareil. Docteur Amoroso, on ne s'applaudit pas, même à la radio. Hein. Non, non, mais c'est une histoire, ce qui rate, ça a étonné. Et c'est Jacques qui s'est précipité, parce que ça j'y étais, qui s'est précipité dans la petite pièce, à travers les balles, pour rejoindre la famille marocaine, alors que tout le monde était à quatre pattes, faut quand même le signaler. Ouais. Alors, votre question stupide. Bon, alors, mais non, c'est pas stupide. Vous voyez les danseuses marocaines. Très, très bien. Vous en avez tous connues. À Marrakech, bon, c'est le Maroc, elles sont debout et elles se trémoussent comme ça. Dis donc, n'en fais pas trop, Ginette, toi. Je veux dire que je les ai jamais vues à genoux. Bon, alors, je vois. Vous leur avez pas demandé poliment. Écoutez, moi j'ai vu danser. Je me suis marié au Maroc, monsieur Bouvard. Ah bon ? Ça m'aurait frappé. Vous avez déjà fait une danse du ventre ? Non, j'ai pas de ventre, mon chou, je suis pas comme vous. La spécialité de Chazot, c'est la danse macabre de Saint-Saëns. Mais toi, les deux pigeons, hein, bon. Tu peux pas lutter. Non, mais c'est une question irrecevable, ça. Irrecevable. Parce que les danseuses marocaines sont pas à genoux. Non, c'est faux. De nombreuses danses traditionnelles. Non, Bouvard. Si, à genoux. Il y a une raison historique. Mais non, pas historique. Si. C'est que les femmes doivent être toujours plus basses que les hommes. Elle est religieuse ou d'origine toxicomaniaque ? Non. Est-ce que ça n'a rien à voir avec le harem ? Non. Elles ne se mettent à genoux que quand elles ont un truc sur la tête pour démontrer qu'elles ont le sens de l'équilibre, qu'elles peuvent porter une amphore ou un truc comme ça, mais elles ne dansent pas à genoux. Tiens, passe-moi de l'andouillette. Ça va d'abord, pour danser à genoux, bon, pour faire des pointes sur les genoux, c'est pas commode. Oui, mais c'est justement que... Nous voudrions participer à cette hilarité. Bon, qu'est-ce que j'en fais de mes danseuses marocaines ? Vous les mettez dans le... Parce que c'est pas intéressant, ça. C'est pas vrai. Ah bah c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. C'est confirmé par le syndicat d'initiative. Non. Vous applaudissez mademoiselle Keblani de Paris. Elle l'a bien mérité. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, ça. Hein? Ça, c'est, on voit bien, là, que c'est un jeu radiophonique truqué. C'est pas vrai. C'est parce que mademoiselle Clébé a eu des complaisances pour vous. Vous lui avez dit, je peux pas vous payer, mais je vous ferai gagner le jeu. Si, oh là là, Bouvard. Hein. Où est-ce qu'elle habite ? Dans le dixième. Eh bien, qu'est-ce que... Il est tout le temps fourré dans le dixième. Allez, dites-le la vérité. Voilà comment il négocie ses quarts d'heure d'amour dans le dixième. Quand on connaît le quartier. Alors il a dû dire. Est-ce que tu sais que j'ai été Miss Goutte d'Or pendant 5 ans ? Je peux entendre la suite maintenant. Chazot, Miss Goutte d'Or. Passe-moi le sauciflard. Elle veut le sauciflard, l'autre. Elle donne. Oh. Oh oui, Fatia. On ne dit pas l'autre en bas. Oh. On fait comme dans ta banlieue, chérie, de la main à la main. Oh. Laisse-moi tranquille, enfin, bouffi. Mange, bouffe, bois. Incapable de répondre aux questions scientifiques, il cède à la facilité. Oh, elle m'énerve. Alors, votre question est fausse déjà. Mais non, non, ça n'a pas de sens, c'est pas ma vrai. Ma question est fausse, mais ma réponse est bonne. Votre réponse est mauvaise. Je peux affirmer une chose, et Jean-Yann et le docteur Amoroso confirmeront. D'abord, je veux dire une chose. Le Maroc, ça n'existe pas. Non, ça c'est vrai. Déjà. Le point main.
Il n'y a pas de Maroc. Donc, pas l'empire chérifien. Non, il n'y a pas d'empire chérifien. Oui. Je connais la Tchécoslovaquie, la Hongrie, très bien. Le Venezuela, mais le Maroc. Quelqu'un a entendu parler du Maroc, non, là ça a été... Non, alors, non, ça existe, le Maroc? Et ben, ça a été supprimé, c'est comme l'Atlantide. Est... Alors, je veux dire, il y a des types qui recherchent. Vous connaissez où un pays qui s'appelle le Maroc? Vous voyez? Pauvre mec, quoi. De choses que vous connaissez. Le Maroc, Jean-Yann. Mais Maroc, vraiment, oui, posez-nous la raison, posez-nous des questions sur les danseuses polonaises, des choses oui, comme ça, d'accord. Mais pas sur les Marocaines. Sur la théorie des cantas. Qui sont jamais à genoux. Allez, une autre question. Non, mais que je vous donne la réponse. Mais c'est pas une bonne. Non, ça ne nous intéresse pas. Vous nous parlez de danse folklorique d'un pays qui n'existe pas, puisque le public est là pour dire. Quel, comment vous dites ce pays, le Maroc? Mais enfin, si ça existait, on le saurait. Ça se trouve dans quel continent? Près de l'Australie? C'est maghrébin. Quoi, maghrébin? Non, maghrébin. Ça se saurait, Philippe. C'est un pays qui s'appelle le Maroc. Qui serait où, ce pays? Non, moi, je crois qu'elle a mal posé la question. Cette personne certainement est algérienne, peut-être. Les danseuses algériennes dansent à genoux très, très souvent. Ah, alors, vous voyez oui. On est en Algérie. En Algérie. En Algérie, mais le Maroc n'existe pas. Alors, pourquoi elle danse à genoux en Algérie? Ça peut vous foutre, je vais vous le dire. C'est pas la question. Vous m'interrogez sur les Marocaines, je vais pas répondre sur les Algériennes. Alors, le Maroc n'existe pas. Alors, pourquoi vous répondrez sur une question comme ça? Parlez-moi des danseuses de l'Aveyron qui, elles, alors, dansent oui. sur les mollets. Alors, voilà les danseuses. La grosse danseuse de l'Aveyron. Voilà. Bon, alors, votre question stupide. Bon, bah, payez vos dettes d'honneur. Non, je donnerai pas la réponse. Non, ça. Ah, si. Allez, passons à la question suivante. Ah, bah, si, parce qu'elle intéresse Chazot. Mais non, elle n'intéresse personne. Mais Chazot s'en fout. Au 15e siècle. Oh, le Maroc n'existait pas. Ben oui, voilà. Au 15e siècle, alors là, c'est une rigolade. Au 15e siècle, ça ne s'appelait pas le Maroc. Ça s'appelait l'Auvergne. Parce que à ce moment-là, les danseuses se produisaient dans des tentes. Ah bon. Voilà une réponse qui ne manque pas de fond. J'ai l'impression qu'il y a une allusion directe là. Monsieur Chazot. Je sais pas si vous voyez. Ça te fait rire, Bouffi. Ah là, absolument, merci. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Meillet de Chaumont. Ah. Un peu d'histoire contemporaine. Ah bon. Bon. Le 21 juillet 1969, oui. Aldrin était à bord d'Apollo 11. Oui. Il devait être le premier à débarquer sur le sol lunaire. Absolument. Or, exact. Ce ne fut pas lui qui non. mit le premier non. le non. pied sur l'astre non. des nuits. Non. non. Ce fut Armstrong. Ouais. Bien sûr. Pourquoi? Parce que... Là, il y a une... Ça, moi, je refuse de c'est continuer tout ce cette... qu'on a à vous dire. Mais, d'abord... Il y a une collusion manifeste. Donc, c'est... Alors, je vais vous dire, c'est voilà. parce que la NASA... qui n'existe pas, il faut bien le dire, et Jacques me confirmera que la NASA, c'est vraiment un bidonville, une espèce de machin, vraiment, Cap Kennedy, c'est une horreur, enfin, vraiment, c'est Nanterre. Et alors, à la NASA, comme ça, dans un état de dénuement et de pauvreté terrifiante, c'est des tentes marocaines oh, qui... Ça les installations de la NASA. Et alors, les mecs s'entraînent à genoux. Vous comprenez ? Alors, les cosmonautes, toujours à genoux, font l'entraînement. Et quand ils sont arrivés sur la Lune, évidemment, le premier, qui était resté le plus longtemps à genoux, était ankylosé. Il a dit, Armstrong, passe devant, j'y arriverai jamais. Et l'autre est descendu du... Bonne réponse de Jean-Yves. Moi, j'ajouterais pour ma part, pour Chazot, et vice-versa. Et vice-versa. Tu dois faire rire, toi, dans ta compagne. Hein, c'est pas possible, hein. Oh, qu'elle est bête, mon Dieu. Alors, il est venu en Bermuda cet été à Nice, il a fait rigoler tout le monde. Hein. Bon, c'est Houston qui a dit de changer. C'est Houston qui a dit de changer. Oui. Et parce qu'il avait quelque chose que les... Tests médicaux. Non, ils étaient tous les deux dans la même forme physique. C'est un vieux problème technique, mais que j'ai oublié. Pas du tout. Sa femme était sur le point d'accoucher. Non, pas du tout défaillante. Pas du tout technique. Parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui reste en observation à 100 km au-dessus. Oui, mais ça, je veux dire que il n'y avait apparemment aucune raison de bouleverser l'ordre établi au départ. Ils ont fait à pile ou face. Alors écoutez, je crois que le plus simple, Philippe, c'est d'écouter la boîte noire. Alors écoutons-la.
Et un vol. Non, j'ai des petits, ça. Bon, alors, ils sont donc tous les deux à bord de la capsule. Ouais, ouais. En principe, Aldrin se prépare à débarquer. Ouais. Et l'ordre vient personnellement du président de la Maison Blanche. Mais c'est bête, votre question. Mon Dieu. Elle est vieille comme tout. Et pince-mi et pince-moi sont dans une capsule. Pince-mi ton ballot, qu'est-ce qu'il reste? Reste pince-moi, c'est ça. Voilà. Il se trouve que un quart d'heure avant l'allumissage... Alors il lui a annoncé quelque chose, le président. Le président s'est fait une réflexion. Et il a dit que Aldrin était irlandais. Non. Catholique, catholique. Catholique, protestant. Protestant. C'est un truc comme ça. Marié, célibataire, un truc comme ça non plus? C'est pas exactement il ça. Il n'avait mais... pas voté pour lui. Il était démocrate. C'était un épouvantable type de l'opposition. Effectivement, il s'est avisé qu'il y avait une différence entre les deux hommes. Non, mais il y avait un démocrate et un républicain. C'est une affaire de couleur de peau, non? Non. Il y avait un type d'un État. Non. Eh bien, vous applaudissez M. Meillet de Chaumont. Il a posé une excellente question qui n'a plus trouvé de réponse chez les grosses têtes. Sauvignon, c'est mieux. Ah oui. Prends du Sauvignon. Non, mais j'ai pris déjà de la colle de l'homme avec du soda. C'est fini, vos conversations de poivreau fatigué. Pas le Sauvignon, si j'avais du Sauvignon, j'aurais pris avec les... Un peu d'andouille. Un peu d'andouille et le Sauvignon est meilleur que les boissons. Et là où tu es actuellement, pour la nourriture, c'est correct. Pour les andouilles, il y en a quand même une bonne tapée, mais je veux dire, pour la nourriture, c'est un peu tristounet. Moi, je fais la nuit des andouilles, là. Oui. La nuit du cinéma. Tu veux leur mettre les andouilles? Donc, un peu de whisky. Docteur, est-ce qu'il y a droit? Dans l'état où il est, on peut s'attendre à tout, à toutes. Il ne faut pas confondre une femme déséquilibrée et un homme déséquilibré, parce qu'une femme déséquilibrée se rétablit toujours. Ce n'est pas ton cas, ma biche. La réponse, la voici. Oui. Le président des États-Unis. Qui était qui déjà? Lincoln, hein, je crois. En 60. France Roche? Ah bon. Je savais que c'était quelqu'un d'âgé, mais je cherchais le nom. C'est France Roche. Ça devait être Johnson. Vous avez connu France Roche? Oh non, il est trop jeune. Il est en train d'en faire une description qui est magnifique et qui est objective. Je suis obligé de la défendre parce que c'est une copine. Oui, non, et l'autre jour, je suis allé... Je sais que tu as toujours fait pour le troisième âge. Tu en sais quelque chose. Ah bah oui. J'ai toujours dit du bien de toi. Mais bien sûr. Bon. Et je veux dire que l'autre jour, j'étais à une soirée pour Michel Morgan, chez Maxime. Alors elle s'embrassait. Oh ma chérie, comme t'étais bien dans ta pièce. C'était... Docteur, vous qui vivez en province, qui sans doute soignez des bestiaux, vous ne savez pas ce que c'est que ce monde-là. C'est un monde autre. Exactement. Surtout d'autant que sur la croisette, vous connaissez les bancs, il y a quatre pattes, d'après ce que dit la médecine légale du coin. Fous-moi la paix. C'est fini. Non, je voulais qu'il ne me touche pas. Docteur, monsieur Chazot, vos scènes de ménage n'intéressent personne. En fait, c'est pas possible, ça. Mais docteur, est-ce que vous voulez entendre par là que Jacques Chazot se serait attaqué aux gens du troisième âge sans remettre des Anglais? Peut-être un état de manque, c'est possible. Bon, allez, c'est fini. Bon, c'est fini. On va pas s'attaquer sur nos faiblesses réciproques. Ben non, si on commence avec les vôtres, on n'aura pas fini, Bouvard. Hein. Le fouet, les barésies, le costume de Mickey, faudra raconter ça au psychiatre, ça peut l'intéresser. Et fantasme avec F et PH, Philippe, sur vous. Ah, il y a deux orthographes possibles. Eh oui. Alors, puis-je vous donner, dans la mesure où ça vous intéresse, ce dont j'arriverai à douter? Philippe Bouvard, pour me faire rire, juste pour me faire rire, voulez-vous déposer légèrement cette tranche de saucisson sur le bord de votre langue et ouvrir largement la bouche? Non. Et aboyer, c'est pour me faire rire. Non. Vous voyez, comme ça, regardez. Moi, si j'étais... Non, je sais pas faire le chien, moi. Oh! Vous pouvez pas la tenir, la vieille danseuse, là. Non, il veut voir simplement s'il y a un soutien-gorge sur votre corsage. Aussi, quelle idée de s'habiller comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette chemise rose? Hein? Le fait que vous finissiez... C'est un ancien slip à zitrone que j'ai fait transformer. Non. Alors, la réponse que tout le monde attend, oui. Aldrin était militaire. Mm. Et le président de l'époque, il n'était pas Johnson, mais Nixon. Nixon. Oui. Ne voulait pas, pour des raisons de politique internationale, que la conquête de la Lune fût l'œuvre d'un militaire. C'est donc le civil qui l'emporta. Bravo, Bouvard.
Cette réponse démontre au moins une chose, c'est que vous savez lire les réponses qui sont en face de vous. Eh, c'est pas donné à tous les gens qui font la radio. Ben non, on n'a pas les réponses. De Monsieur Longgros de Chambéry. Quand... alors, c'est une question qui est une question médicale. Chambéry, station des sports d'hiver, où l'on voit chaque hiver les femmes glisser sur la neige. Chambéry, préfecture de Savoie, mon cœur reste sans voix. En contemplant ton derrière. Il y a la fontaine des 400 culs à Chambéry. Vous savez pourquoi il y a la fontaine des 400 culs? Parce qu'il y a 4 éléphants dont on ne voit que les parties de devant et pas les parties de derrière. Donc il y a la fontaine des 400 culs. Si un malade... On ne dit pas un métèque. Hein. Oui. Si un malade... On ne dit pas un métèque. Ça vient voir un médecin et bon. Lui dit « Docteur, j'ai des proglottis. » Oui. De quoi souffre-t-il? Il est grec, le Aminal. Mec. Déjà, il est grec. Il est grec. La 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 proglottis. On dit des habitations proglottis. Alors, docteur, qu'est-ce que vous disiez? Ou les parotides ou les amygdales. Eh ben, si vous avez des clients qui ont des proglottis dans les amygdales, il faut tout de suite les faire hospitaliser. Hein. Alors, ici, ils sont pris dans le mauvais sens. Ah oui. Alors, il c'est pas un bon docteur. Alors, c'est un mauvais docteur. Écoute-moi de te dire, mais tu n'es pas un bon docteur. Il vaut mieux aller voir le sorcier. Alors, je vais te dire, je ne te montrerai jamais ma bébête parce que tu vas me dire des bêtises. Parce que, laisse-moi te dire que mon camarade et moi-même, si jamais, pour une raison exceptionnelle, tu nous coupes les proglottis, en croyant que tu nous coupes les amygdales, alors là, vraiment, ça va pas bien du tout. Hein. Docteur, si tu ne sais pas ce que c'est grave. Ah oui. Alors tu dois répondre répondre à monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, vous répondre. Les amygdales, parce qu'en avant de la langue... Dis-moi, alors le gouverneur a posé une question, sinon il va mettre le feu au paillot. Excuse-moi de te dire que les gens qui ont quelque chose en avant de la langue, ce sont les polyglottes. Ça n'a rien à voir avec les proglottis. Alors, quand on a des proglottis, on souffre de quelque chose. Eh ben, le docteur va vous le dire. Ça n'a rien à voir avec les amygdales. Alors, permettez-moi de vous dire, on souffre déjà d'une grande indifférence de ces compatriotes. J'ai connu des types, des proglottistes émigrés qui ont vécu ici en attendant que... Le gouvernement n'a jamais rien fait que le que les colonels s'en aillent, vraiment. Et quand M. Karamanlis a permis aux proglottistes de rentrer en Grèce, ça a été un grand moment politique, mais ça a surtout été un grand moment humain. Exactement. Alors... Remets ta paire de proglottistes pour relire la question. C'est très embêtant quand on a des proglottistes et terrible, on a beaucoup de mal à s'en débarrasser. Oui, on ne peut pas les revendre. Alors, je sais ce que c'est. C'est du franc français. Parce que tu as du mal, si tu as des proglottistes ou francs français, à les refiler en ce moment, le dollar ayant terriblement grimpé. D'ailleurs, si tu t'étais mis $1 dans chaque chaussure, tu mesurais maintenant 1m80. Parce qu'il est passé de 4,42 à 6,60. Est-ce que les proglottistes ne seraient pas ces petits animaux qui vivent un peu sur le corps humain? Pas sur le corps. Morpions. À côté du corps humain. Non, pas à côté. Dans les matelas. Dans les matelas. Pas dans c'est les pas le vers solitaire. C'est le vers solitaire. Bonne réponse. Mais alors, pourquoi tu t'es moqué de moi tout à l'heure lorsque je t'ai parlé de Rimbaud? Rimbaud, c'est le vers solitaire. Alors, que pensait du docteur Amoroso qui trouvait des proglottistes dans les amygdales? Non, mais de fleurs. Moi, je dois dire que ça venait du grec, et comme j'ai Chazot à côté, j'ai dit parler grec. Alors, attention. Je vais penser à ça. Non, je vais vous dire franchement, je commence très sérieusement à mouiller. parce que si un jour j'ai le ver solitaire et que je vais chez lui et qu'il commence par regarder dans la gorge et tout.